C'est dans les après-midi que nous allons parler. Hein? Non, non, on vient d'être presque terminé. Comme on est trop fatigué, on a un petit repos d'une heure. On revient pour essayer de faire le toilettage du texte. Et vers 21h, c'est la clôture. Nous venons de faire une nuit blanche ici. Vraiment, toutes les inquiétudes du Front pour le respect de la Constitution se sont avérées vraies. Tous les problèmes qui ont posé à ce que nous ayons une nuit blanche, c'est le partage du pouvoir. Nous avions toujours dit, dénoncé, que les questions des combinaisons, des rangements pour le partage du pouvoir étaient révolues par la Constitution. Ça nous a rattrapés aujourd'hui. C'est dommage que ça soit sous les auspices de la CENCO. Ce qui s'est passé maintenant, nous sommes bloqués sur le point de la désignation du Premier ministre. Le rassemblement et la majorité ne parviennent pas à s'entendre, bien que nous ayons déjà placé ça dans l'accord. Et ça n'est suivi avec le dispatching, des répartitions des ministères par composantes. Et en troisième lieu, là où ça a posé problème, c'est les garanties de mise en œuvre. En ce qui nous concerne, c'est tout à fait logique et normal que la CENCO puisse accompagner la mise en œuvre de cet accord. Il n'est pas question de mettre la CENCO de côté. Alors, c'est pourquoi nous demandons à la majorité d'avoir cette bonne foi. Ce n'est pas parce que, au sein de l'accord, certaines parties ont accepté le maintien du président Kabila au-delà de son mandat, parce qu'ils ont récupéré l'imperium, il n'y a plus de pression au niveau interne, il n'y a plus de pression au niveau international, qu'aujourd'hui la majorité va rebondir pour bloquer la mise en œuvre de l'accord. Nous en appelons à la bonne foi de la majorité de tenir compte des intérêts de la nation. Et que le partage du pouvoir entre la majorité et les rassemblements ne bloque pas la République. Parce que nous avons pris l'engagement d'avoir à corriger ce qui ne s'est pas passé en 2016, c'est-à-dire l'organisation de l'élection présidentielle. Nous devons l'avoir au plus tard en décembre 2017. Au cas contraire, le Front pour le respect de la Constitution va aussi produire son plan B, parce que nous n'aurons plus de choix à ce sujet-là.